Coucou tout le monde, c'est Noé qui vient d'allumer la vidéo. Il voulait allumer la vidéo. Alors, donc, on se retrouve en fait en début d'après-midi. J'étais à ma boîte aux lettres, donc j'ai du courrier. J'ai reçu un colis de Sylvie, oui, Sylvie, c'est ça son prénom, Sylvie. J'avais commencé ma vidéo, donc j'ai ouvert le colis. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu ça. Et j'ai vu Noé. Et je me suis dit, ben non, Laurence, éteins ta vidéo. Et tu attendras ce soir pour ouvrir avec Noé. Parce que je sais que ça fait plaisir à Noé d'être en vidéo et d'ouvrir son petit courrier. Et du coup, vous avez le plaisir bah, de voir sa joie, on va dire. Voilà, tu voulais montrer quelque chose? Tu voulais montrer ton dessin? Vas-y, remonte ton dessin. Voilà, ce que Noé a ramené de l'IME. Ouais, t'as dessiné. D'accord. Alors, on y va. On va ouvrir le colis de Sylvie. Donc du coup, on va démarrer. On va pas faire attendre Noé. On va commencer donc par les petites choses pour Noé. Alors, il y a du scotch, hein, Noé. Hein. Donc en fait, Sylvie qui habite dans un endroit que je connais bien puisque je suis née à Avranches, donc en Normandie, je suis normande, et Sylvie qui habite pas très loin, à Granville exactement, et donc je connais bien ce coin. Ah, elle en a mis du scotch, Sylvie, hein. Ah ouais, hein. Ah, elle avait peur que ça s'ouvre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous a mis? Ça se trouve, c'est quelque chose qui casse. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très joli. Donc, je crois que je vais finir par prendre les ciseaux. Hop, voilà. Hop. Ah ouais, hein, ça va aller plus vite, hein, vous voyez, hein. Alors, est-ce que maman, elle va ouvrir? Moi qui suis pas douée, hein. Je vais y aller, puis faut que j'y aille doucement quand même, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est lourd, c'est qui casse. Ah, ça y est, ça vient. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle nous envoie, Sylvie? Oh, c'est trop beau! C'est trop beau, Sylvie, mais merci, fallait pas. T'as vu mon cœur? Ah, bah t'as plus de mots! Ouh, t'as coupé le sifflet, hein, Sylvie! T'es content? Ouais? T'as vu? C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est un cheval. Oh, il est trop joli. On va l'accrocher dans ta chambre. Hein, on va l'accrocher dans ta chambre. Il est beau, hein? Je vous montre, excusez-moi, voilà, c'est regardez. Il est très très beau ce cheval. Merci beaucoup Sylvie, fallait vraiment pas. Je te remercie. Je te remercie beaucoup pour Noé. Ouais, laisse-nous, on va mettre ça là. Parce que ça fait du bruit dans la vidéo, c'est désagréable. Il est trop beau, hein. T'as vu? Trop trop beau, hein. Ah bah ouais, hein, on peut lui caresser le nez celui-là. On va l'accrocher dans ta chambre, hein. Hein? Ouais. Merci beaucoup Sylvie. C'est super gentil. Attendez, il faut que je m'assoie dans le fond de ma chaise, sinon vous ne me voyez pas trop. Alors, donc je pense que là, il y a la petite carte. Oh, puis regarde, il y a encore pour toi, Noé. Tiens, bah est-ce que tu vas arriver à ouvrir? Je t'aide. Regarde, tu sors les petits papiers du plastique. Pendant ce temps-là, maman regarde la carte. Regardez, je vous montre la jolie carte. Elle est très très jolie. Superbe.
Alors, qu'est-ce que t'as eu, toi? Vas-y, sors tout. Alors, montre. Montre ce que t'as eu. Des jolies découpes. Ouais, approche de la caméra. Et puis attends, regarde. Un par un, on verra mieux le dessin. Voilà. Alors, du coup, attends, on va mettre un papier blanc. Comme ça. Regardez. Le cavalier et son cheval. Merci Sylvie. Et du coup, elle m'a envoyé plusieurs blancs craft. Ah ouais, regardez comme c'est joli. En fait, ça, c'était le négatif. Alors, je sais jamais le positif et le négatif. Je crois que si je me trompe pas, c'est le négatif et le positif. Je sais plus. Elles sont superbes, ces découpes. Superbes. Vas-y, montre-toi. Voilà. Et j'ai comme ça en noir. Tu montres tes découpes, je lis ma petite carte en attendant. Voilà. Après, bah, tu montres les autres. Oui, ça va bien. Et puis, ça ne peut que aller bien hein, quand on reçoit des jolis courriers. Quelques bricoles. Eh ben, ma foi. Ça me touche beaucoup, en tout cas, pour Noé. Oui, je connais bien Gis, je suis aussi abonnée à sa chaîne, au Scrap de Gis. Et donc, Gis qui nous a créé l'ATG. Et donc, Sylvie m'a fait sa première ATG et elle tenait à me l'envoyer. Et elle me dit, désolée, elle n'est pas parfaite. Bah si, je vois pas. Moi, je la trouve parfaite comme tout. Parfum de bonheur. Elle est très jolie. Et puis je te remercie de me l'avoir envoyée parce que c'est ta première. Et je trouve que quand on crée quelque chose pour la première fois, moi j'ai du mal à... Les premières choses que je crée, j'ai du mal à les donner à quelqu'un d'autre. J'aime bien les garder pour moi. Donc merci beaucoup Sylvie de me l'envoyer parce que voilà, c'est super. Le thème, c'est poupette. D'accord, ton pseudo, c'est... Non, non. Ça doit être, je pense, ton pseudo Facebook que tu m'as mis. Du coup, dis-moi si je peux... Si je peux, comment on dit? Enfin, si je peux cliquer sur ton Facebook. La date, t'as oublié de me mettre la date. C'est pas grave. Tu me diras, je la rajouterai. Ta couleur préférée, c'est le violet. Style de scrap, c'est aucune. Donc, t'as pas de style de scrap ou de préférence pour l'instant. D'accord. Et c'est la numéro 1 sur 1. Merci beaucoup Sylvie. Ça me touche beaucoup pour Noé, pour je te dis ton ATG parce que c'est ta première et c'est super gentil quoi. Ça me fait super plaisir. Donc ensuite, donc tu m'as fait un très joli emballage, hein, vous voyez, elle m'a mis tout ça, tout comme il faut. Ah bah, et je croyais que c'était un papier de déco au fond. Heureusement que je regarde. En plus, elle a l'air jolie. Je vais la garder, ta petite boîte, parce que je peux m'en resservir pour la renvoyer. Alors, attendez, je regarde déjà dans l'enveloppe là. Il y a de l'épaisseur. Donc, oh là là, tu m'as mis des belles choses. Donc, elle m'a mis le fond qu'elle a fait de sa carte. Moi, j'ai déjà tout ramassé. Pour rien abîmer. Voilà, en fait, j'avais pas vu, je croyais que c'était une découpe ta branche d'arbre, mais en fait, ça fait partie du fond l'embossage, voilà, je cherchais le nom. Donc l'embossage, très joli.
Donc voilà, elle m'a mis un fond embossé. Elle m'a mis des petits tags comme ça. Donc ça, j'en ai. Je ne sais plus si j'ai cela, mais je sais que j'en ai. Elle m'a mis des petits scraps bidules. Donc des petites découpes et des petits die cuts. Donc là, il y en a un tout petit là. Voilà. Elle m'a mis des petits die cuts comme ça, trop rigolo. Je pense que on va s'en servir, cela Noé, pour faire des petites ATC. Hein? On va se servir de ces petits die cuts là. Ils sont trop choupinous. Mmh. Ouais. Ils sont choupinous, tu trouves aussi, toi? Ouais. Garde celui-là avec les cœurs. Ça me fait penser aux emojis sur les. Sur Facebook. Là, avec la musique. Enfin, les notes de musique. Et là, encore avec des petits cœurs. Voilà. Ensuite, elle m'a mis des découpes, un cœur, une petite bonne femme dans de la. Elle m'a fait la découpe dans de la mousse. Oui. Sympa, je pense pas faire ça moi. Une fleur, une petite tasse dorée. Oui, une tasse. T'arrives à dire ça. Tasse, c'est bien. Un lama. Voilà. Bien, tu répètes. Oh bah dis donc, on va faire des vidéos plus souvent si ça te fait parler. Hein. Une fleur. Non, t'as plus envie, c'est trop dur à dire. On garde une, je sais pas, fleur soleil. Une fleur. Ah, en fait, c'est les contours. Ouais, voilà, c'est les contours de ça. On peut mettre toute seule. Ou voilà un tag doré, un tag, une feuille et un petit, je sais pas trop ce que ça représente, si ça représente un sac ou un tag. Enfin voilà, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Et là, elle m'a mis des jolies choses, des petites choses que j'adore. Pour le mix média notamment. Regardez-moi ça. C'est super joli. Une étoile de mer. Un coquillage. Une pieuvre, j'adore. Ils sont superbes. Un petit coquillage. J'ai l'impression que c'est pas net. Il a du mal à faire le point, j'ai l'impression. On va faire comme ça. Une superbe pieuvre. Elle est magnifique celle-ci. Un hippocampe. Magnifique. Merci beaucoup Sylvie. Je remets ça dans mon petit pochon. Et tu m'as mis des papiers. Papier carton. Super, merci. Ce côté-là. Donc je dirais que c'est du vintage. Donc magnifique, ils sont super beaux. Le dos, j'aime beaucoup ce côté aussi. Hop, et fait cuire comme ça. Et là, des livres. Magnifique. Hein, c'était très beau, hein, Noé. Je te remercie beaucoup, 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 Sylvie. C'est pas quoi dire.
Voilà, ça me touche énormément. Rien. Énormément. Ah oui. Donc, ben, Ah merci beaucoup, 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 beaucoup. là. Voilà. Tu dis au revoir, toi, déjà? Tu dis merci à Sylvie? Tu lui dis merci? Au revoir. Rien. Voilà. Merci. Macaton. Merci comme ça. Voilà. Eh bien, bah, je vais vous laisser là. Donc, encore une fois, merci Sylvie, parce que franchement, je sais pas quoi dire en fait. Voilà, quand on reçoit des courriers comme ça, je ne manquerai pas de te répondre, ça c'est sûr. Par contre, ce sera en septembre, parce que là, j'ai pas le temps. J'ai d'ailleurs pas trop le temps de vous faire de vidéos, de tutos surtout. Je voudrais bien me remettre à l'art journal. J'aimerais bien vous faire des tutos de mix média, refaire un peu ben, des ATG avec vous, enfin, de la carterie et tout ça. Je suis toujours dans la préparation des concours, enfin des lots pour concours. Là, ça y est, j'arrive un peu au bout. J'ai deux échanges avec Valie et Peggy. Je ne vous oublie pas, les filles. Je pars en vacances dans 15 jours. Donc, je pense que d'ici là, je n'aurai pas le temps de vous faire de tuto. Mais on reprendra en septembre, ça c'est sûr. Et voilà, on reprendra d'un bon pied. Donc, sur ce. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà. On envoie un bisou, Noé. T'envoies un bisou? Non, face à la caméra quand même. Voilà. Allez, bisous à toutes. Merci beaucoup.